Et re-YouTube, on se retrouve pour peut-être l'une des dernières VOD de Jedi Fallen Order, ce super jeu incroyable. On devait aller sur Datomir. Je sais plus trop pourquoi faire. Oui, pour trouver l'astro machin là. Ensuite, on ira. Sur Datomir, comme je viens de le dire. Perpecto. Datomir. Il est temps que je l'affronte. Oui. Tu es prêt à affronter ton passé. Et pour vous, Etrilla? Je ne suis pas sûre d'être prête un jour. Tu sais ce que tu dois faire pour commencer à guérir, et je suis vraiment fière de toi. Mais ma voix est tout autre. Je suis là pour vous si vous avez besoin de moi. On est arrivé. Attache-toi. Datomir, cette planète chétanisée. Le problème, c'est que quand tout tu parles, bien. Tout ira bien. On peut parier sur ce qu'on va trouver comme truc affreux cette fois. Des morts vivants, des araignées géantes, des planteuses. Les trois. Non, je dirais les trois. Dis pas ça. Ou peut-être que la nuée d'action nous tombera dessus. Sérieusement, vous m'en voulez encore? À moi, Grise? Je pense que ça peut se comprendre. Tu dois quand même admettre qu'on s'est bien éclaté. Combien de types ont l'honneur d'être cherchés par la nuée d'action? Si tu n'étais pas aussi bon pilote, je crois que je t'aurais déjà livré. T'as intérêt à assurer, Grisy. Le problème, c'est que quand tu parles pas, il n'y a pas le son de chez toi, mais du coup, c'est chiant, car quand tu parles, j'ai le son chez toi, du coup, c'est pas super à entendre, en fait, pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu préfères t'habituer au petit son à la con derrière chez moi, genre mon frère qui parle ou le ventilo de mon PC, pour pas que quand je parle, ça fasse pich, 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 comme ça. Ouais, je comprends. Bon. Bah, je verrai comment ça rend sur la VOD et j'aviserai après. Mais dans tous les cas, il faut que je finisse ce jeu. Y a pas un shortcut pour y aller plus vite? Mais c'est pas grave. Salut. Aïe aïe aïe, oui, aïe 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 aïe. C'est quoi? Je pense que je vais mettre un petit retour son qu'on n'entendra pas, hein, vous en faites pas. Je vais mettre un tout petit retour son pour voir si c'est vraiment horrible. Blabla. J'essaie de me concentrer pour entendre ma propre voix derrière. Et surtout le son du jeu. Attends, je m'entends pas très fort, mais j'ai pas mis le son très fort, il me semble. Si je le mets au max, ça donne quoi? Ça va? Si atroce. Ce qui est chiant par contre, c'est que quand je fais un tout petit bruit avec ma manette, effectivement, on entend tout ce qu'il y a derrière et ça c'est très chiant. Mais quand je parle, ça va. Ça va, ça va. C'est pas si horrible. Bon, je réglerai après dans tous les cas. Pour le moment, concentrons-nous sur la mission. Bonjour. Mais encore des mercenaires, mais laissez-moi tranquille. Instime, s'il te plaît. Le Jedi est là. Aïe. Tu vas mourir. Tu m'as eu. Là, tu feras.
Envoie un steam. Ouais, là c'est vraiment chiant parce que c'est mon micro qui capte les bruits de manette, mais... Je pense que je vais m'acheter un Shure SM7B. Micro à 2000 balles. Mais elle est passée où? Elle est tombée dans le vide? Qu'est-ce qui s'est passé? On va savoir. Les bruits de manette sont moins forts, ouais, je sais, j'ai essayé de mettre un compresseur pour les petits bruits aussi. Hop. J'ai une arme. Tu crois que ce sabre laser fait de toi un Jedi? Non. Être face à vous. Les souvenirs qui m'obsèdent depuis Braca. J'ai décidé de ne plus les fuir. Alors découvrons quel type de mort te réserve ton courage. Ah mort. Bon, toujours pas d'or. Toujours pas de port de vie. Hein. Mais le pouvoir est-il la clé? Maître, jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous. Et de votre sacrifice. N'oublie pas, la persévérance te montrera la voie. Moi, par contre, le sabre sur lui, ça fait un peu ridicule. On dirait qu'il a un esquimau dans les mains. Bonjour. Il tremble de peur. La mort te tend les bras. C'est tout. Prends ça, merde. Et oh. Mes attaques t'atteindront. Nickel. Je peux passer par là. N'aie pas peur. Tu dois tenir parole. Tu m'as promis de m'apprendre ta magie. Mes défuntes sœurs. Cet homme nous a promis notre revanche, à condition que je lui enseigne notre magie. Je regrette. Mais je dois m'allier à Malikos. Ok.
Tu as choisi de revenir. C'est brave, mais imprudent. Peut-être. Mérine, c'est ça? Je m'appelle Cal Kestis. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi est faux. Si tu le dis, Cal. Malikos dit lui aussi des choses. Taron Malikos a peut-être été un Jedi, mais ce qu'il est devenu... Je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'on porte un sabre laser qu'on est forcément un Jedi. Alors quoi? Ils garantissaient la paix. Et ont été trahis par ceux qu'ils protégeaient. Ils ont été pourchassés par l'Empire et... Je suis peut-être un des derniers Jedi. J'étais une enfant quand ils ont attaqué. Un guerrier de métal qui brandissait ceci s'est précipité sur nous. Et a exterminé mon peuple. Mes sœurs. Je me suis retrouvée seule. Avec les corps. Et Malikos est arrivé. Me promettant ma vengeance. En échange de tous nos plus précieux secrets. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Et Malikos a eu tort de s'en servir contre toi. On n'a pas besoin d'être ennemis. Tu en auras besoin. La voilà qui repart. J'observerai. Fichons le camp d'ici. Malikos est proche. Tu peux encore partir? Je ne peux pas. Il y a des vies en jeu. Quelle vie? Des innocents. Des enfants sensibles à la Force qui seront traqués et assassinés. Comme mes sœurs. Il est taré ce Malikos, du coup. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Un massacre. Ils se sont entretués dans une quête de pouvoir. Oh. Bah, salut. Quand on parle du lot. Cal Kestis. Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de risquer ta vie? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi... Ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer? Il faut penser au renouveau. Toi et moi. Nous pouvons bâtir autre chose. De bien plus grand. Non. Alors Datomir va devenir ton tombeau. Ah bah forcément il était méchant. Alors déjà monsieur vous me copiez, c'est pas comme ça. Je suis un peu loin. Comment ça Malikos ça fait méchant, j'aurais dit c'était grec. À la limite, c'est méchant. Voilà. Ici BD.
fait que retarder l'inévitable. Ouais, bof. Mais arrête de faire ça. Mais... Je t'attends. Oh lolo. J'ai besoin d'aide. Grec égale méchant, mais rien du tout. Ah, on l'a eu. J'ai eu tort de croire que tu pourrais m'aider. Meurs minable! Tu n'as aucun droit sur Datomir. Aucun droit sur notre magie. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. Tes esquives ne te sauveront pas. Je ne te laisserai aucune chance. Viens, finis ton temps. Tu ne me vaincras pas. Hé, hey, BD. À l'aide, BD. Bon, ok. Mais il saute aussi, c'est de la triche. BD, j'ai besoin d'aide. Seuls les lâches. Mais arrête, hein, je triche, le boss. Non, rien du tout. Ah mais il a pas pris de vie là, non, c'est de la triche. Oula. J'ai l'esprit vif. Mais... Tes esquives ne sauveront pas. J'ai survécu à pire. Oula, c'est de la triche. Vous aviez raison, Malikos. Datomir sera votre tombeau. Laisse-le dans les ténèbres avec ses secrets. Jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé? Pour délivrer Datomir de ce parasite. Que fais-tu vraiment ici, Cal Kestis? Ceux qui ont bâti ce tombeau, les Éphos, ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Et à l'intérieur se trouve une liste d'enfants sensibles à la Force. Mais l'Empire aussi est à sa recherche. Quel Empire? Eh bien, l'Empire. Celui qui cherche à exterminer les êtres sensibles à la Force pour asseoir sa domination. Alors il arrivera bientôt sur Datomir, comme la guerre avant lui. Je t'aiderai à trouver cet Astrium. Merci de m'avoir aidé avec Malikos. J'ai cru que j'allais y passer.
Oui, tu allais mourir. Ouais. Heureusement, ce n'est pas le cas. C'est bon d'avoir un allié. Ouais, ça me plaît bien aussi. Mais de rien, Cal. Nous ne devrions pas traîner ici. Ok. Bon, perfecto. Du coup, ça te dérange toujours autant, le noise gate, TP ou pas? Oui, fou. C'est vrai qu'elle est mignonne, non? Ce lieu, c'est... Par contre, pourquoi mais une plateforme sur deux, en fait? Elle veut que je crève. Me le dire. Hein. J'ai tout visité. Ouais, on va dire que j'ai tout visité. Hein. Alors il existe. Meryn, c'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi. Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Oui. Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché, j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais, ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé? Un très bon ami m'a conseillé de partir et de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait? Non. Mais... la vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Je suis là désormais. Contre toute attente. Te pousser vers l'avant. Je viens avec toi. Ah bon? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... les survivants... doivent s'adapter. Ouais. Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD? Je suis d'accord. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Alors, on fera ce qu'il faudra. On va buter Gris, bonne idée. Ah, la best waifu. C'est tellement la best waifu. Est-ce que tu veux scanner, toi, encore? Après BD1. Hein. C'est la best waifu. Un autre waifu après BD1. Je peux. Y'a pas de peau. Il va me suivre comme ça. Qu'est-ce que c'est que c'est? Non, est-ce que j'ai tout exploré? Ah, ah. Eh ben. On ne peut plus avancer. On peut maintenant. Bravo. On ne peut plus avancer. Menteur. C'était toi aussi? En effet. Je voulais voir ce que tu ferais face à Malikos. Quoi, c'était un test? Et tu as réussi. Félicitations. Est-ce que tu vas m'aider ou pas? Tu t'en sortiras très bien. Ouais. Je m'en suis très bien sorti, je confirme. Cette femme avec qui tu voyages, qui est-elle? Serré? Attends, qui t'a parlé d'elle? J'ai vu tes deux compagnons.
Malikos voulait que je les tue, mais il n'était pas une menace. Serré. Eh bien, elle était un Jedi. C'est une longue histoire. J'aimerais bien. Rendez-vous à ton vaisseau. Elle est comme BD, elle te regarde travailler, elle fait rien. Attends, hein, elle crée des plateformes quand même. Hein. Est-ce que BD serait capable de faire ça? Je crois pas. Hein. BD, c'est vraiment l'apothéose de l'inutilité. Apothéose. Je vois absolument pas trop. Hein. Et du coup, est-ce que je vais découvrir une sixième? Ah non, faut que je retourne sur Kashyyyk. Et je vais pas passer par là. Faut pas désactiver ces zombies là sinon. Désactiver, elle doit bien avoir. On les éteindre, non? Non mais arrête. Salope! Non mais il te donne des steam, ouais bon c'est sûr. Par contre je suis pas content, les steam redonnent de la force et alors. Pas le problème. T'es raciste maintenant? T'as un problème avec la force c'est ça? Tu veux qu'on se batte? Tu l'as trouvé. Eh oh, qui c'est celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que je viens avec vous. Serré, Grise, voici Mérine. Je rêve ou c'est une sorcière? Une sœur de la nuit. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je n'aurais pas trouvé l'Astrium sans elle. Elle m'a aidé à battre Malikos. Je lui fais confiance. Je crée des zombies. Et on te fait confiance. Toi, tu devras faire tes preuves. Et sa caméra. Ok, très bien. Tu peux t'installer. Et n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Bienvenue à bord. Il t'aime bien. Elle est mignonne, j'aime bien. Je comprends pas ce que tu dis. La réaction de tous les joueurs à la première phrase de BD. J'aime bien. Je ne comprends pas très bien. Alors, où est-ce que je vais sur Kashyyyk maintenant? Prêt à t'envoler? Pas Bogano. Hein? Cap sur Bogano. Bon. Ok, écoute bien. J'ai pas du tout envie de me répéter. Je t'écoute, oui. Bien, alors au cas où personne te l'aurait dit, c'est mon vaisseau, c'est moi le capitaine. Et je dirais même, un des meilleurs. Alors, c'est moi qui fixe les règles. Règle numéro 1. Tu tâches le canapé, t'as plus qu'à t'en aller. Règle numéro 2. À moins que t'aies 4 bras, le siège du capitaine, tu ne prendras pas. Règle numéro 3. Tu veux cuisiner, tu me laisses te surveiller. Règle numéro 4. Si ça devient trop bruyant, tu n'as pas le choix, tu descends. Grise, c'est bon. Bah quoi, elles sont en vigueur depuis qu'on a embarqué le petit gars. Ah bon? Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. Bah mec, les répliques des Star Wars, c'est vraiment les meilleures répliques du monde. Ça va fonctionner? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Eh oh, est-ce que vous avez faim? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. Oh, eh ben... C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Eh, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste? De quoi tu parles? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Ah, changement de plan, on est presque arrivé. Oh, Grise.
J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Bizarre, qu'est-ce qui lui arrive? Avec des montées en fait. Qu'est-ce qui lui arrive? Attends, je sais que tu vas la voir, cette holo... con. Très bien, tu t'en souviens? Tu m'accompagnes? Oh non, non, certainement pas, non. Tu sais, je voulais seulement te dire que ces gamins qu'on espère trouver, ils ont de la chance de t'avoir. De la chance de nous avoir. C'est un travail d'équipe, Grise. Je vais pas te mentir, j'espérais vraiment que tu dirais ça, parce que, tu sais, il va leur falloir plus que des tours de magie. Ah oui? Ils ont besoin de concret, il leur faut un modèle, quelqu'un qui les inspire. Piloter un vaisseau, c'est tout un art, tu sais. Enfin, on verra si je reste dans le coin. Je m'en souviendrai. Bien. Bien. Tant mieux. Bonne chance, l'ami. C'est marrant que tout ça se termine où tout a commencé. Ah oui. Je me souviens de la première fois qu'on est venu. Je l'ai déjà dit, mais je pensais vraiment pas que t'étais... un Jedi? Ça, je dis pas, mais je ne pensais pas que t'étais notre gars. Et maintenant? Maintenant? Jedi ou pas, tu l'es. Tu sais, je pige toujours pas le coup de la Force. Mais ce dont je suis sûr, c'est que toi, t'es un petit gars solide. Merci. Toi aussi. Ouais, c'est vrai. Je fais plutôt jeune pour mon âge. Tout se passe bien avec Meryn? Ah oui, elle me fiche encore la trouille, rapport au réveil des morts et tout ça. Mais tant qu'elle me tue pas... Aucun risque. T'inquiète pas. Ouais, ouais, celle-là, tu me l'as déjà faite et... Et tu es toujours en vie. Pour l'instant. Il t'arrivera rien, Grise. On est tous dans le même bateau. Quand tu voudras partir, fais-moi signe, je serai ici. Cet endroit a quelque chose de bizarre. L'énergie est différente par ici. Rien à voir avec Datomir. Non. Datomir est complexe. Son pouvoir ancestral émane de l'ombre. Bogano a l'air plus simple. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre. Bogano est unique. C'est pour ça que les Efo y ont bâti leur sanctuaire. Là où se trouve l'Holocron. Caché. Où veux-tu en venir? Cette planète est restée presque intacte pendant des siècles. Les vies que tu veux protéger étaient-elles vraiment menacées avant que tu interviennes? On est clairement plus sur Datomir, là. Non, effectivement. C'est comme tu l'imaginais? Je veux dire, le reste de la galaxie. C'est si grand. Je réalise que ma vie sur Datomir était... restreinte. Ça m'a fait pareil quand j'ai quitté Braca. Le monde peut sembler petit quand on vit dans le passé. Je pense que je vais me plaire à bord du Mantis. Les Jedi que nous formerons contribueront à bâtir une galaxie qui préserve des endroits comme celui-là. Est-ce que ce sera leur choix ou le tien? On a besoin les uns des autres. Sans les Jedi, pas sûr qu'on survive. Il est de notre devoir de les protéger. J'ai compris, oui. Excuse-moi, Cal. Je ne suis pas habituée aux personnes bavardes. Cal, tu as une seconde? Tu as beaucoup appris pour en arriver là. Mais le sanctuaire reste un mystère. Cordova y a caché l'Holocron. C'est tout ce qui compte. Je dois aller le chercher. L'épreuve de Cordova pour le défendre est périlleuse. Vous avez peur pour moi? Je ne veux pas être seule à former tous ces novices. Ça ira, Serré. Et puis j'ai BD pour m'aider. Je sais. Mais faites attention. Vous n'avez peut-être encore jamais rien vu de tel. Merci. Je suis prêt. Et BD aussi. Prenez soin l'un de l'autre. Vous êtes prête à affronter la suite? Oui. Et toi aussi. Je l'ai vu. Tu as beaucoup progressé, Cal. C'est grâce à vous. C'est gentil de me dire ça, mais je ne serai pas dans le sanctuaire avec toi. Si, vous serez là. D'une certaine façon. Contente de t'avoir trouvé, Cal. Bonne chance. Et n'oublie pas, réfléchis avant d'agir. Cordova a dû prévoir une épreuve qui n'est pas à la portée de tous. Que la Force soit avec toi. Vous vous souvenez quand vous m'avez amené ici la première fois? C'est impressionnant de voir ce que tu as accompli en si peu de temps, Cal. Oui. D'accord, mais on formera ces novices à ma manière.
J'ai quelques idées pour leur éviter de mettre leur vie en danger. On ne forme pas quelqu'un à sa manière. L'envie d'apprendre doit être partagée. Merci. Merci pour tout. Je t'en prie. J'ai mis la dernière petite punchline qu'elle a dit. Bref, allons-y. Finissons le jeu. Ouais, mais je sais à peu près où je dois aller. Je dois bien aller au sanctuaire. Rassurez-moi. Rassurez-moi. C'est bien cela. De passer par là. Pas du tout, je vais prendre une route un peu random. Ah, oui, ok. Mais c'est bon, c'est pas si profond. Non. Pas du tout si j'emprunte la bonne route. On verra bien. Je ressens un truc étrange. Ça va te paraître bizarre, mais je crois que c'est l'astrium. Plus on approche du sanctuaire, plus la sensation est forte. Attention, BD, on ne sait toujours pas comment ça marche. Pour 2 points de santé, on sait jamais. C'est parti, BD. Tout ça pour une petite clé. Stupéfiant. Le sanctuaire est construit comme un gigantesque holocron. C'est au niveau de ce mur. Ouais, allons voir. Peut-être un coffre derrière. Oula, ou peut-être un vide. C'est parti. À ceux qui nous succéderont. Malgré nos savoirs et nos avancées technologiques, nous allons disparaître. Le dogme nous a écartés de la voie de l'équilibre, et notre fierté nous a peu à... Le dogme nous a écartés de la voie de l'équilibre, et notre fierté nous a peu à peu corrompus. Notre quête de contrôle nous a menés à notre vie. Salut, monsieur. Je n'aime que le reste de mon peuple vers le grand inconnu, en espérant que nous parvenions à y trouver la paix. Oh, mais même, t'as vraiment une je les guiderai sur la voie de la force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la force? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis, vous pensez que l'Empire nous trouvera? Même dans ces flash forward, il se voit avec un poncho rose. C'est incroyable.
peut te traverser. Il y a tout qui a disparu. Ah non. Bonjour. Capturez les novices. Tuez les autres. Ils sont rapides. Feu nourri. Dans la joie. Cal Kestis. Rends-toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux. Oh. Oh yes. Ah, j'aime ça. Rouge mon sabre. À moins que ce soit les effets d'éclairage peut-être. BD1, il est stun, il comprend rien ce qui vient de se passer. Bah reviens. Il a planté. BD1. D'accord. J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron ? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste.
sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trilla, je suis obstiné. Salut, Trilla, gâteau de riz. La peur te submerge. Bonsoir. Ah d'accord, elle arrive à repousser le truc de ça. J'ai enduré bien pire que ça. Toujours en train de courir. Seren t'a donc rien appris. Tu vas t'effondrer d'un moment à l'autre. Bah oui. Elle a encore pas dormi de la semaine. Vivement. Eu des coups de botte, ouais, je devrais essayer. Bonne suggestion. Piu piu. Tu mourras comme tous les autres. Portable ça. Oh là, j'ai fait pas mal de dégâts. La peur te submerge. Oh, presque. C'est difficile d'avoir le mien. Un autre Steam. Ce n'était rien. Fais attention avec ça. Il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la force soit avec toi. Maître, restez avec nous. Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller. Ça va aller. Il y a un tapir, c'est pour ça que j'ai appelé. Mais je vais pas commencer à me battre avec deux doubles sabres laser quand même. Faut que j'ai eu Mantis du coup. Là, c'est parti hein. C'est vraiment des fragiles, les Jedi n'ont pas supporté la torture. Ouais, j'avoue. C'est que des victimes de toute façon. Oh. Gaffe derrière vous, par contre, c'est un... Ouais.
m'intéresse pas. Je vais trouver une ouverture. Tu vas mourir, Jedi. Il n'arrête pas d'esquiver. Ok, on peut pas passer par là. Je crois. Est-ce qu'il va s'échapper? Transformation. Jedi, en formation! J'ai dans le viseur! Je vais voir ce que je peux faire. Mais. Je crois que je vais arrêter là. Portable. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous et Trilla, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Holocron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous devons de les assumer, préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai. À genoux. Au nom du Conseil Jedi, et au nom de la Force, Cal Kestis. Debout, chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. Ouais. C'est quand même pas le truc le plus safe de faire ça avec des sabres laser. On est prêt à partir ? BD, écoute. Je t'aime beaucoup. Mais si tu mets de l'huile ou je ne sais pas quoi sur mes plantes... Ok, mais fais attention. Nure. Encore une planète, trop bien. Ah, peut-être dans la prochaine VOD. Peut-être dans la prochaine VOD. Bon. D'ailleurs, c'est marrant parce que t'as écrit « Va te tuer, TP ». Il y a Automode, du coup, le système de régulation des messages de Twitch, qui a fait « Attends, 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 il te demande d'aller te tuer, fais gaffe quand même !» Non, elle va te tuer, il y a...
Bref, bisous, les VOD, à toutes. À la prochaine pour peut-être le dernier épisode, encore une fois, qui sait.